Les cinq petits lions sont de deux lionnes. The five cubs have two mothers lioness. Une des deux lionnes est inquiète. One of the two moms is worried. Elle n'a plus de lait et ses petits ont faim. She has no more milk and the cubs are hungry. Mais à 3 mois, ils commencent à manger de la viande. However, they are 3 months old and began to find meat. Elle doit donc partir chasser. She must go hunting. Les trois lions ont attaqué un buffle, mais il ne veut pas mourir. The three lioness try to kill buffalo, but he does not want to die. C'est le baiser de Judas. Elle lui bloque la bouche pour l'étouffer. It's too hard to strangle him. So now one is blocking his mouth to make him suffocate. Au matin, le petit décide de partir à la recherche de sa mère. Early morning, the small one decides to find his mother. Autour, surpris d'être seul sur la proie. Surprised to be alone on the prey. Elle est en train de prendre, d'essayer de manger ce qu'il y a dans les intestins et l'intérieur. C'est ennuyeux, le buffle est dans l'eau. Bad news, the buffalo is in the water. La mère essaie de sortir l'animal de l'eau, mais elle est seule. The mother would like to drag the buffalo out of the water, but she is alone. Les lions n'aiment pas l'eau. Et les petits oseront-ils venir? C'est difficile. Lions ate water and she is wondering if the cubs will come. Ils sont sevrés, mais pour un début, c'est difficile avec leurs petites pattes. It's a very big buffalo for small cubs. Elle essaie de sortir le buff de l'eau, mais comme il est lourd, c'est dur. Là, il y a les petits qui regardent le spectacle. Supporting their mother. Là, c'est dur, toute seule. Il faudrait bien que les deux autres lionnes viennent l'aider. That would be good if the two other lionesses could come and help her.
Ah, c'est trop dur, elle va voir ses petits fistons. Sad and discouraged, she goes back to the cubs. Que faire? Comment aider leur mère? What could they do to help their mother? Pas de viande accessible, donc ils boivent de l'eau pour compenser. To compensate the meat, they drink water. It's not very pleasant. Il faut tenter quelque chose. They must attempt to go there. It's decided. Je voudrais bien aller à la sur le bus. Il se demande comment il va faire. En plus, le terrain, il n'est pas confortable pour marcher. What a bloody ground to walk for a small cub. Do you think he succeeds to go to the meet? Because there is deep water for reaching the buffalo. So, yeah, so he cannot. Yeah. But if they can pull, the adults can pull until to the mud. He's very temeraire. Hein? Very. Not Francis. Not Francis. Oh, very nice. Oh, he did. Ah, il est arrivé. Hein. Les autres, ils vont suivre peut-être alors. Ah, il est en train de lécher le sang. Licking the blood. Il lèche le sang. He will need his mother to cut the meat in small pieces. Il aurait besoin de sa mère pour lui découper la viande en petits morceaux. Mais elle ne vient pas. But she does not come. Sa mère lui a dit de bien surveiller. Le danger est partout. Mom told him to look always around and watch. The danger is everywhere. Les deux autres, ils sont moins téméraires. Ouais. Ça va les tenter quand même. Ouais.
tiens, il y va, hein? Not so courageous, but al final, he goes. Pourquoi pas moi, il s'est dit, hein? Why not me, he thought. C'est bien d'être là, mais la peau est un peu dure. It's good to be here, but the skin is still a bit hard. La patte du buffle lui sert de sentier avant le grand saut. After using the buffalo leg to walk, it's a big jump. He's all wet. Non, il va pas y arriver. Il est désespéré. No, he will not success and he is desperate. Better to go back. Il va jumper, je crois qu'il va faire quelque chose. Peut-être qu'il hésite, hein. Même pour la lionne, c'est difficile, car c'est tout de la boue et elle s'enfonce. Even for the lioness, it is difficult because it's all mud and it can be deep. Un petit arrive. Il est plus en sécurité avec cette deuxième lionne. A small one is coming. He feels safer with the presence of the lioness.
surveille la mer. Ça, c'est une deuxième lionne. Et en même temps, on entend des alarmes call, comme on dit ici. It's a second lioness. She is looking around. Il y va ou il y va pas? Going or not going? Not going. Finalement, il y va. Il a faim. Finally, he goes. He is hungry. Pas facile non plus quand on est trois. Not so easy to be three on the buffalo. Il est plein de boue, covered with mud. Les éléphants n'aiment pas les prédateurs, et la lionne le sait. Elephants don't like predators, and the lions know that. Dès que la lionne s'éloigne, les vautours en profitent. The lions being away, the vultures take the place. Mais Mom revient avec ses deux supporters. But Mom comes back with her two supporters.
Une hyène rôde pas loin de la proie. A hyena prowls around the prey. Les pattes semblent souffrir un peu. Poor cubs, their paw seems suffering. Et maman lion les repousse. And mom pushes them away. Si seulement il n'y avait pas tant de boue. If only it was not so muddy. Aller dans l'eau, c'est tout ce qu'elle déteste. Mud and water, it's what she hates most. Elle essaye de retirer les viscères. She wants to take out the guts. Elle emporte enfin l'estomac pour ses petits. At least, she takes out the stomach for the small cubs. Vultures are back peacefully. La lionne partie, les vautours reviennent tranquillement. Mais ils veulent tous être maîtres de la proie. Each one wants to be the dominant of the prey. C'est impressionnant avec la tête devant. Pendant que la lionne nourrit ses petits dans la bouche, éléphants et vautours ont repris le terrain pour quelque temps. While the lions are feeding the small one in the bush, vultures and elephants have taken the place again.